que chez nous. Le saucisson au bon goût depuis 1971 vous présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous et bonne année 2024 à vous tous. Bienvenue. Bonne année, David. Bonne année, Catherine. Bonne année à tous. Bienvenue dans y a pas d'âge, votre rendez-vous feel good comme tous les dimanches jusqu'à 13h avec plein de nouvelles rubriques, des conseils, des astuces pour vous faciliter la vie. Et aujourd'hui, Catherine. Eh bien, on commence par y a pas d'âge pour oser en parler. Sommes-nous toujours en sécurité aux urgences? Après plusieurs décès, le milieu hospitalier est de plus en plus mis en cause, notamment quand il s'agit des urgences hospitalières qui semblent être le reflet des dysfonctionnements de notre système de santé. Il n'y a pas d'âge pour s'informer. Nous allons vous faire découvrir l'association Vive les Seniors qui, avec son site internet et la création des cafés santé seniors, accompagne notre santé dans son vieillissement. Il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule et essayer de comprendre pourquoi le gouvernement français refuse que la Commission européenne intervienne dans la réécriture de la loi contre le viol. Il n'y a pas d'âge pour prendre soin de son animal. On va vous dire pourquoi avoir un chat à la maison est le remède miracle pour tordre le cou à la solitude et pour rester autonome le plus longtemps possible. Et plus légèrement, il n'y a pas d'âge pour avoir un ventre plat. Et après ces deux semaines festives, quelques conseils seront les bienvenus, n'est-ce pas, pour retrouver un petit ventre plat. Mais j'en ai bien besoin et nous vous ferons découvrir le coup de cœur de la semaine, le Money Walkie, un petit boîtier de la taille d'un domino qui va permettre aux grands-parents ou aux enfants de pouvoir payer toutes leurs courses de manière totalement sécurisée. Vous allez voir, c'est très malin. Il n'y a pas d'âge pour voyager. Vous voulez rêver avec nous? Installez-vous confortablement dans votre canapé. On vous emmène en République dominicaine. Un peu de soleil au cœur de l'hiver. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et l'invité surprise de cette semaine est Pierre Perret, qui nous fait l'amitié d'être avec nous pour entamer l'année 2024 dans la joie et surtout sans langue de bois. Sud Radio, y a pas d'âge. Y a pas d'âge pour oser en parler. Sommes-nous en sécurité en franchissant la porte de nos urgences? Notre système de santé est aujourd'hui plus que jamais sur la sellette. Pénurie de médecins urgentistes, situation avec des issues parfois dramatiques, le milieu hospitalier est de plus en plus mis en cause, notamment quand il s'agit des urgences hospitalières qui semblent être le reflet, effectivement, des dysfonctionnements de notre système de santé. Au mois de novembre dernier, un jeune homme de 25 ans, Lucas, est mort d'une septicémie après avoir passé 10 heures aux urgences d'hier. Et ce n'est pas un cas isolé si on s'en réfère aux différents témoignages. Que s'est-il passé? Comment l'expliquer? Ce drame est absolument inacceptable et soulève l'indignation générale. Nous avons tous besoin de comprendre comment un drame comme celui-ci a pu se produire dans notre pays. Quel est le point défaillant? La prise en charge? Le diagnostic? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Bonjour Corinne. Bonjour. Bonjour. Bonjour Corinne. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes la maman de Lucas, 25 ans. Corinne, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé en préambule, je dirais, dans quel état était Lucas avant d'arriver aux urgences? Avant d'arriver aux urgences, Lucas était déjà pas bien. C'est pour ça qu'il a été dirigé vers les urgences par le 15. C'est-à-dire que quand il a appelé le 15, il avait depuis la veille au soir des grosses douleurs abdominales, de la fièvre, il avait eu un peu de diarrhée, un peu de vomissement, et puis son état s'était aggravé, c'est pour ça qu'il a appelé le 15 après SOS médecin, parce qu'il avait des difficultés à respirer, il avait le souffle court, il avait le cœur qui battait très fort dans sa poitrine, la douleur était constante et intolérable, ses lèvres étaient devenues bleues. Donc il était le médecin, après avoir entendu tout ça, a décidé de l'envoyer aux urgences de hier parce qu'il a jugé que son cas était urgent. Donc, sérieux, voilà. Il n'y avait même pas le temps d'attendre que le médecin arrive à la maison. Donc c'est montré l'urgence. C'est ça. Oui, pour lui, le questionnaire du médecin régulateur a duré 11 minutes. Donc il a pris le temps de bien en fait cerner le problème et sa décision était il faut l'envoyer aux urgences. Il a envoyé les pompiers récupérer Lucas de manière à pouvoir l'apporter le plus vite possible aux urgences de hier. Voilà. Et alors justement, quand Lucas est arrivé aux urgences, comment s'est passée sa prise en charge? Alors la prise en charge aux urgences s'est faite par une infirmière à l'accueil en fait. Qui prend le papier des pompiers. Il y avait plusieurs renseignements sur le papier des pompiers, donc sa tension qui était à 10, son cœur qui battait à 120, et puis l'oxygène qui était pour l'instant bon. Et ensuite, quelques commentaires donc sur le fait qu'il avait eu diarrhée, vomissement, douleur abdominale,
douleur costale et faiblesse. Et ces deux éléments-là ont été supprimés en fait sur la retranscription de l'entrée aux urgences. Donc il est resté douleur abdominale, diarrhée, vomissement, voilà comment ça a été fait. Et il a été mis de côté sur un brancard. C'est incroyable. Alors, c'est vrai qu'il avait 25 ans, donc il était majeur. Mais ce qui est choquant au-delà de tout cela, c'est que les services d'urgence vous ont interdit d'avoir accès à votre fils. Vous avez communiqué pendant des heures par texto dans votre voiture sur le parking. Ça déjà, c'est complètement inacceptable. Mais qu'est-ce que vous disait Lucas pendant tous ces échanges ? Ben, Lucas, en fait, disait qu'il était très mal, qu'il se sentait très faible, qu'il ne savait plus quoi faire. Il y a des moments où il disait « c'est horrible, maman, horrible, je me sens tellement mal, je me sens tellement faible, la cage thoracique est tellement douloureuse, je dis à tout le monde que j'ai du mal à respirer, personne ne fait rien, tout le monde me dit qu'il faut attendre un médecin ». Voilà, les messages sont abominables et il ne se passe rien. Donc nous, on essaye de rentrer dans les urgences, d'aller voir notre fils. Là, on a un agent d'accueil qui est derrière une vitre qui nous dit non. Vous ne pouvez pas le voir. Oh, mais il est grand. Oui, il est grand. C'est pas pour ça que ça en fait plus notre fils. Mais donc, évidemment, on ne peut pas y accéder. Sa compagne, c'était le même discours. Elle a essayé de le suivre à l'intérieur des urgences. Quand elle a suivi les pompiers, ils ont dit non, elle ne rentre pas. Il est grand aussi. Donc, en fait, l'accès aux patients qui rentrent à l'intérieur des urgences est impossible, c'est interdit. À partir de combien de temps Lucas finit par voir un médecin ? Un peu plus de 4 heures, puisqu'il rentre, il est 15h50, et il verra un médecin vers 20h, donc un peu plus de 4 heures après. Donc nous, c'est le moment où on pense qu'on va faire sortir Lucas de là, en fait. Oui. On se pose la question, il faut le sortir de là, même lui, il veut partir, en fait. Et au moment où on se pose la question si on peut le sortir, et puis si on va lui faire repasser encore une file d'attente, est-ce que c'est raisonnable ? À ce moment-là, il voit un médecin. Donc du coup, on se dit, ah mais voilà, ça y est, le calvaire, enfin, ça y est. Et là, il n'y a même pas un diagnostic qui a été réellement posé. Et non. Donc nous, on pose la question justement, à savoir qu'est-ce que le médecin t'a dit ? Qu'est-ce qu'il pense de la situation ? Qu'est-ce qu'il t'a prescrit ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Et la réponse de Lucas, c'est rien. C'est-à-dire que rien du tout, elle ne lui prescrira rien. Elle lui posera deux questions, à savoir qu'est-ce qu'il a mangé en fait le vendredi midi, du poulet à la crème, et puis s'il fume de l'herbe. Voilà, c'est les deux questions qui sont posées. Il n'y a pas d'auscultation, il n'y a même pas les 11 minutes d'interrogatoire comme le médecin du SAMU. Donc ils sont passés complètement à côté de la gravité de son état. Mais totalement, parce qu'il y avait quand même des signes. Je veux dire, il a été vu par des gens, en fait, hein, pendant toutes ces heures-là, qui lui ont pris régulièrement la tension, les battements de cœur. De temps en temps, ils lui ont fait une prise de sang à 18h20. Enfin, il y a des gens qui se sont approchés de Lucas. Il avait les lèvres bleues, il n'arrivait pas à respirer, il se plaignait d'avoir mal. Nous, on le sait parce qu'on a un témoin qui était son voisin de brancard, en fait. Oui. Et qui était tellement choqué par ce qui s'est passé sous ses yeux entre le samedi soir et le dimanche dans la nuit, quand il sort de l'hôpital, il écrit 6 lettres recommandées, ce témoin, sans connaître Lucas, sans nous connaître, pour dénoncer ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a été outré de ce qu'il a vu ? Ah oui, il appelle ça « œil sur la mort d'un patient ». Il est complètement choqué par ce qui s'est passé. Donc nous, on a les messages qui nous décrivent la situation et on a un témoin à l'intérieur qui, lui, a vu ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc oui, Lucas n'a pas été pris en charge. Corinne, excusez-moi de vous poser la question, mais comment vous avez appris le décès de votre fils puisqu'ils ne vous ont pas laissé l'approcher ? Eh bien, en fait, on a appris le décès de... On était là, c'est-à-dire qu'en fait, vers minuit, ils nous disent qu'ils vont transférer Lucas en réanimation. C'est pratiquement le premier appel d'un médecin. Et qu'on peut le voir 5 minutes avant qu'il soit transféré. Là, on apprend, attendez, avant de le voir, sachez qu'il est dans le coma et il est intubé. Donc, je dis, bah, écoutez, il aurait été mieux qu'on le voit avant, en fait. Enfin, bref. Oui. Donc, on l'a vu comme ça, 5 minutes, et ils ont dit, bon, bah, on va essayer de le transférer. En fait, ils ne le transféreront jamais parce que son état est tellement mauvais qu'ils n'arrivent même pas à le transférer. Donc, nous, on nous remet dehors en attendant le transfert. Et on voit que le transfert ne se fait pas. Et vers 2h du matin, un peu avant, vers 1h30 du matin,
ils nous disent bon, que vous pouvez venez voir, on va pouvoir le transférer, etc. Et en fait, il nous faut ressortir tout de suite parce qu'il fait encore un arrêt cardiaque. Mmh. Et après, je leur ai dit, écoutez, s'il doit mourir, autant qu'il soit avec nous que tout seul. Donc, ils nous laissent rentrer au moment où ils lui font le dernier massage cardiaque, 45 minutes, mais bon. Donc, à 2 heures, on déclare le décès. Alors, ce qui est inquiétant quand même, c'est que les urgences étaient en surtension, mais elles sont souvent, les urgences, en surtension. Et d'après les témoignages qui nous parviennent, le cas de Lucas n'est pas isolé. Et c'est ça, en fait, qui pose vraiment question aujourd'hui. Oui. Il n'est pas la seule victime dans cette histoire. Non, visiblement, enfin, d'après tous les témoignages qui affluent depuis qu'on a médiatisé l'histoire de Lucas, on se rend compte que ce sont des problèmes qui sont récurrents un petit peu de partout. Et même, enfin, les urgences de hier, on a eu plusieurs témoignages qui sont quand même très alarmants. Nous, on connaît principalement ce qui s'est passé aux urgences de hier, mais apparemment, ce sont des cas qui peuvent se produire partout en France. Alors, c'est vrai qu'il est mis en lumière un manque de budget, un manque de personnel, un manque de médecins, un manque de beaucoup de choses, d'accord. Apparemment, c'est le cas, en fait. C'est un état. Mais ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est qu'il y a des gens aussi qui travaillent dans ces services-là. Lucas a été vu par un médecin, Lucas a été vu par des infirmiers, Lucas a été vu par des aides-soignants. Enfin, il était dans un couloir, donc beaucoup de gens l'ont vu. Comme je me dis, certaines personnes ont pris ses constantes, donc l'ont vu de près. Ils ont même noté certainement que quand vous voyez que le cœur bat à 120 en arrivant et puis qu'ensuite à 17h25 il bat à 121 puis plus tard à 136, oui. Vous savez bien que le cœur d'un jeune de 25 ans ne bat pas la chamade comme ça fortement dans sa poitrine pendant des heures sans raison. Donc il y avait des signes quand même, ses lèvres qui étaient bleues, le fait qu'il avait du mal à respirer. Absolument. Donc c'est vrai qu'il y a un contexte et visiblement il y a un contexte qui est dramatique en France et dans les urgences et dans les hôpitaux. Mais il y a aussi des gens quand même qui travaillent là. Et est-ce qu'ils ont perdu est-ce que le contexte fait qu'ils ont peut-être, je ne sais pas, perdu le sens des vraies urgences? Mais il y a aussi un facteur humain, parce que ce n'est pas normal de vous empêcher d'aller le voir. Ça, c'est absolument, c'est impensable. Et là, c'est un facteur humain, c'est pas une raison économique. Non, mais il y a un facteur humain et un facteur médical qui est certain. Corinne, vous avez porté plainte, vous attendez des réponses. Quelles sont les prochaines étapes? C'est plainte le 12 décembre, donc les prochaines étapes, et ce sera certainement une enquête, je suppose, hein, qui va être mise en place. Il faut que la lumière soit faite quand même sur tout ce qui a été fait dans la prise en charge ou la non-prise en charge de Lucas. Je pense que c'est ça, la prochaine étape, c'est celle-ci. On a même écrit au ministre de la Santé, bon là qui a changé, mais on attend que ce soit fait et pas trop tardivement. C'est-à-dire que on voudrait des réponses assez rapidement. Ouais. Bon, vous nous tenez au courant, Corinne. Vous nous tenez au courant, vraiment. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Tenez-nous au courant parce que, effectivement, comme vous le disiez, il y a eu plusieurs cas en 2023 à travers la France et il y en a de plus en plus, malheureusement, dans les services d'urgence, c'est vrai des cas de décès. Il faut comprendre. Oui. Il faut que la lumière soit faite. Merci, Corinne, en tout cas, d'avoir été avec nous. On espère vraiment que vous obtiendrez vos réponses. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Alors Catherine, nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, dans Y'a pas d'âge pour s'informer, nous allons vous faire découvrir l'association Vive les Seniors qui, avec son site internet et la création des cafés santé seniors, accompagne notre santé dans son vieillissement. Et nous vous ferons entendre le coup de gueule que nous avons poussé ce matin dans la matinale de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, Y'a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y'a pas d'âge, comme chaque dimanche entre midi et 13h sur Sud Radio. Et dans un instant, Y'a pas d'âge pour pousser un coup de gueule. Absolument, mais tout de suite dans Y'a pas d'âge pour s'informer. David, vous avez décidé de nous faire découvrir une belle initiative,
et Café Santé Seigneur. Eh bien effectivement, il n'y a pas de secret, pour vivre longtemps, il faut prendre soin de soi et de sa santé. Fort de ce constat, le site internet vive-lesseigneurs avec des tirets entre chaque mot.fr accompagne notre santé dans son vieillissement en nous informant grâce aux conseils de médecins, de psychologues, de spécialistes du bien-être et du bien vieillir, ainsi que des témoignages d'anonymes ou de célébrités. Et pour ceux qui sont réfractaires à internet, Vive les Seigneurs vient de mettre en place une idée absolument géniale, les Cafés Santé Seniors, où l'on peut rencontrer ces professionnels de la santé pour poser toutes nos questions et échanger avec d'autres patients, d'autres personnes. Alors bonjour Isabelle Chicot. Alors bonjour David. Bonjour. Bonjour Catherine. Alors Isabelle, vous êtes la présidente de l'association Vive-les-Seniors. Alors Isabelle, si on est bien informé, est-ce qu'on peut vraiment avancer en âge en parfaite santé? Est-ce que ce n'est pas une chimère? Alors non, pas de chimère du tout là-dedans, malheureusement, et peut-être heureusement, parce que comme vous le savez, nous vivons de plus en plus longtemps, et si nous continuons à vivre les années qui viennent en mauvaise santé, je pense que le bien-être est impossible. Oui. À la vie seigneur. Alors, donc, l'information est capitale. Oui. D'abord, la santé est le sujet du bien-vivre de manière générale. Mm-hmm. Par conséquent, la prévention et les soins visant à préserver cette santé est indispensable. Et pour passer à notre sujet du vieillissement inéluctable, qui concerne tout le monde, alors, moi, je peux en témoigner parce que je vous le dis, j'ai 76 ans. Oui. En avançant en âge, vous avez une voix très jeune. Oui. Non, c'est vrai. Alors, on ne se voit pas, donc tant mieux pour vous. tant sur le plan physique que sur le plan psychique, hein, que le pépin soit grave ou moins grave, dans pratiquement tous les cas, il est généré par le vieillissement de l'organisme. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme conseil et comme témoignage sur le site internet vive-lesseigneurs-seigneurs.fr? Les conseils justement prodigués par Vive les Seniors sont exclusivement des conseils de santé et exclusivement des conseils de santé senior, santé physique, santé psychique, parce que notamment les maladies neurodégénératives sont l'ennemi sociétal majeur dans notre population senior, donc on s'intéresse particulièrement à des sujets qui concernent vraiment un mauvais déroulement du parcours senior. Oui. Et nous diffusons également des témoignages de seniors pour qu'aucun senior ne se sente isolé dans quelque situation que ce soit, parce que le mental a une grande incidence dans la progression du vieillissement. Tout à fait. Alors justement, allons dans le concret. Quelles sont les principales choses auxquelles il faut faire attention en avançant en âge? Alors, en avançant en âge, il faut ne pas s'occuper de son âge, c'est-à-dire faire les mêmes choses qu'avant, mais peut-être avec plus de régularité, avec plus de minutie, c'est-à-dire conserver l'activité mentale, conserver l'activité physique à tout prix, très important, et conserver le lien social. J'ajouterais à ça qu'avec le vieillissement, il est très important de conserver autant que possible la joie de vivre, le positif, de continuer à vivre ses passions, ses envies. Ça, c'est important. Alors, comme 50% des seniors de plus de 75 ans n'utilisent pas les outils numériques, vous avez créé les Cafés Santé Seniors. Mais ça consiste en quoi exactement, concrètement? Alors, le Café Santé Seniors, en fait, c'est un rendez-vous mensuel qui va compléter l'action que nous menons par un site qui est du distanciel, par une réunion présentielle. Donc, c'est une réunion dans un café, un lieu convivial, entre une quinzaine ou entre 15 et 25 seniors et un intervenant chaque fois. Donc c'est chaque fois soit un médecin, soit un spécialiste des médecines complémentaires qui va parler d'un sujet et puis qui laissera ensuite la parole aux seniors pour un question-réponse. Donc en fait, le rendez-vous mensuel, c'est l'occasion de lier l'utile, informé sur la santé des seniors, sans tabou,
Ça, c'est très important parce que les seniors sont amenés à parler plus facilement. Donc, de joindre l'utile à l'agréable parce que c'est aussi créer du lien social. Alors, quand aura lieu le prochain Café Santé Senior, Isabelle? Le prochain Café Senior, alors, le premier Café Santé Senior est le Café La Terrasse que j'ai créé dans le 18e. Oui. Là, donc, il a lieu depuis septembre. Le prochain a lieu le 26 janvier à 15h30, comme d'habitude. D'accord. Et celui-ci continue son chemin chaque mois. J'en ai créé un autre dans le 9e arrondissement qui va débuter le 27 février. Et puis, avant la fin de l'année qui commence seulement, j'espère en créer un dans chaque arrondissement de Paris. Et puis, aussi, dans la banlieue de Paris et dans les régions. Dans les autres régions. Eh ben, écoutez, puisque nous avons beaucoup de maires qui nous écoutent et beaucoup d'élus, merci Isabelle Chicot de nous avoir fait découvrir. Alors, je le redis, l'adresse internet, c'est vive-le-du-6. Donc, vive-les-seniors au pluriel.fr. Et donc, si un élu nous écoute et qu'il est intéressé pour développer sur sa commune, il rentre en contact avec vous et vous allez venir. Voilà. Bah merci beaucoup Isabelle, et on se tient au courant et on revient vers vous prochainement. À bientôt. Merci. Alors et maintenant Catherine, nous allons écouter un extrait du coup de gueule que vous avez passé pour Y a pas d'âge ce matin dans la matinale de Sud Radio contre la décision du gouvernement français de ne pas accepter que la Commission européenne intervienne dans la définition du viol qui prévoyait de caractériser le viol par l'absence de consentement. Absolument. Comme vous le savez, les eurodéputés discutent au sujet d'une loi qui permettrait de protéger les femmes des différentes formes de violence et aussi d'harmoniser les sanctions données à ceux qui commettent ces violences. Or, la position de notre gouvernement, la position de la France, est pour le moins incompréhensible. Notre pays refuse que la Commission intervienne dans la définition du viol. La France ne veut pas inclure le viol dans la loi européenne qui permettrait aux 27 pays membres d'avancer ensemble vers une définition et des sanctions communes à l'échelle européenne, en caractérisant le viol par l'absence de consentement. Bonjour Nathalie Collin-Osterlé. Bonjour. Vous êtes députée européenne et depuis plus de 4 ans, je crois qu'on peut le dire, vous œuvrez au maximum énormément contre les violences faites aux femmes. Alors, c'est vrai que je regarde en lisant, en préparant notre entretien, je voyais que chaque pays, j'ai l'impression, a un regard qui peut être le sien sur ces sujets. Or, quand une femme est agressée, quand une femme est violée, les conséquences physiques, morales, sont les mêmes pour toutes les femmes, qu'elles viennent de tel pays ou de tel pays. Quelle est pour vous la définition d'un viol ? Alors, tout d'abord, merci de m'inviter pour parler de ce sujet essentiel. Important, qui est, absolument. La première loi européenne permettant de lutter contre les violences faites aux femmes. Et le Parlement européen qui a voté donc une position en adoptant une définition du viol, comme d'ailleurs la Commission européenne, et qui a donc intégré le viol dans la première loi européenne permettant de lutter contre les violences faites aux femmes, eh bien, le Parlement négocie actuellement avec le Conseil, c'est-à-dire les représentants des États membres, ce texte qui vise à lutter contre les violences qui sont faites aux femmes. Quel est l'objectif de ce texte ? L'objectif de ce texte, c'est de donner une définition harmonisée de ces violences qui touchent essentiellement les femmes, dont le viol, afin de mieux protéger toutes ces femmes, parce que ce sont principalement les femmes qui sont victimes de viols, dans l'Union européenne. À 80-90%, ce sont les femmes qui sont victimes. Pour les femmes, il n'y a pas d'ambiguïté. Comme le montrent toutes les campagnes d'information et de prévention, il n'y a pas de présomption de consentement. Il y a ou il n'y a pas de consentement. Et quand c'est non, c'est non. Voilà, message important, quand c'est non, c'est non. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, dans Y a pas d'âge pour prendre soin de son animal, on va vous dire pourquoi avoir un chat à la maison est le remède miracle pour tordre le cou à la solitude et pour rester autonome le plus longtemps possible. Et vous découvrirez notre coup de cœur, le Money Walkie, un petit boîtier de la taille d'un domino qui va permettre aux grands-parents, aux enfants de pouvoir payer toutes leurs courses de manière totalement sécurisée. Chouette.
Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et bonne année à vous tous. Et merci d'être avec nous dans y a pas d'âge comme chaque dimanche entre midi et 13h sur Sud Radio. Dans un instant, vous découvrirez notre coup de cœur de la semaine, le Money Walkie. Un petit boîtier de la taille d'un domino qui va permettre aux grands-parents et aux enfants de pouvoir payer toutes leurs courses de manière sécurisée. Bien pour les jeunes ados ça. Et tout de suite, David, dans y a pas d'âge pour prendre soin de son animal, vous allez nous parler d'un animal idéal pour rester autonome le plus longtemps possible. Et oui, Catherine. Alors, nous évoquions l'autre jour le fait que la solitude gagne de plus en plus de Français. Et le point culminant de cette situation, c'est que 300 000 Français de plus de 60 ans ne rencontrent jamais ou très rarement d'autres personnes. Alors, pour tordre le cou à la solitude du quotidien, eh bien, il y a un remède miracle. Ça s'appelle le chat. Le chat. Mais oui, le chat. C'est ce que nous allons découvrir en compagnie de Laetitia Barlerin, notre vétérinaire parisienne et spécialiste du comportement animal. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour. Bonne année Laetitia. Bonne année, mes meilleurs voeux. Meilleurs voeux Laetitia. Alors Laetitia, quels sont les principaux bienfaits que le chat est capable de générer chez les seniors ou les personnes seules? Chez tout le monde d'ailleurs. Mmh. Hein, c'est ce qu'on appelle la ronron-thérapie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ah, oui. En fin de compte, le chat, et ça c'est prouvé scientifiquement, a un effet anti-stress évident. C'est-à-dire que quand on a un chat, quand on regarde un chat, quand on caresse un chat, on a tout de suite sa tension artérielle qui diminue, sa fréquence cardiaque qui diminue, et on sécrète de la sérotonine et des endorphines, c'est-à-dire des hormones du bien-être. Donc on est bien, c'est une présence qui est réconfortante, on sait que ceux qui ont des chats dorment mieux, et oui c'est vrai, il y a une amélioration du sommeil, une amélioration du moral aussi, et il semble aussi, comme il nous fait produire des endorphines, ces endorphines ont une vertu antalgique, antidouleur, et donc c'est vrai que pour nous seniors, ça peut aussi aider. Donc vous voyez, c'est tout ça pour dire que le chat, c'est à la fois un soutien psychologique et aussi un effet thérapeutique. Et alors Laetitia, vous allez même jusqu'à dire qu'avoir un chat, ça permettrait de rester plus longtemps autonome ? Eh oui, alors on pense plutôt au chien pour rester autonome, parce que le chien, il faut le sortir, il y a beaucoup de choses. Mais vous savez, le chat est un animal qui est très routinier. Donc, il nous impose déjà une routine. Mmh. C'est-à-dire que le matin, il faut lui donner à manger à telle heure. À telle heure, il faut le sortir. À telle heure, il veut les caresses. À telle heure, il veut jouer. Vous voyez, déjà, il y a une routine dans la journée. Donc, ça nous oblige déjà à nous lever le matin, à lui donner à manger. Et puis aussi, à changer sa litière, à le faire sortir si c'est un animal qui sort, lui préparer à manger, etc. Et puis, il faut aussi aller lui chercher à manger. Il faut aussi changer sa litière, donc aller acheter la litière. Il faut aller chez le vétérinaire, etc. Donc ça nous fait sortir. Il y a aussi cette autonomie au niveau mouvement aussi, parce qu'il faut le brosser, il faut jouer avec lui, donc il faut bouger. Vous voyez, tout ça fait que par rapport à d'autres personnes qui seraient toutes seules chez elles, qui ne feraient rien, qui resteraient assises dans leur fauteuil ou dans leur canapé, là, on est obligé de se lever et de s'occuper de son animal. Oui, ça donne un objectif. Alors justement, par rapport aux interactions avec l'animal que vous venez de citer, est-ce que il y a des effets extrêmement positifs pour nos aînés qui souffrent de problèmes cognitifs ou... Oui, alors vous savez qu'on utilise le chat et le chien aussi, mais aussi le chat en médiation animale dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, etc. Parce que par exemple, tout simplement, voir un chat, ça éveille des souvenirs, et en particulier à ceux qui ont perdu un peu la mémoire. Et on l'a vu, et ça a été démontré, cette émotion de voir un chat, de le toucher, éveille en nous beaucoup de souvenirs, des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'adultes. Donc déjà, ça nous fait cogiter. Et puis, un chat, ça nous permet, c'est aussi un sujet de conversation. Oui. On a un chat, on parle de son chat à sa famille, à l'infirmière qui vient nous donner des soins, à la boulangère chez qui on va chercher le pain, au boucher. On parle de choses, c'est vraiment le sujet de conversation. Le chat, il fait partie de notre vie et on en parle. Voilà. Et puis aussi, ça nous fait cogiter. Par exemple, un chat qui miaule, on se dit, mais pourquoi il miaule? Qu'est-ce qu'il veut? Là, hier, il a miaulé, il a voulu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais lui donner ça ou ça? Voilà, c'est ça. Il y a des interactions mais, qui se passent. Alors Laetitia, les personnes d'un certain âge qui n'ont pas encore d'animal pourraient craindre de prendre un animal parce que se sentant peut-être trop âgé. Mais finalement, un chat, ce n'est pas contraignant. Non, c'est plus facile qu'un chien. Oui. Un chien, si vous voulez, il faut le sortir 5-6 fois par jour, c'est contraignant. Le chat,
il est assez autonome dans la maison. Donc, les soins, qu'est-ce que c'est pour un chat? C'est lui donner à manger. Vous n'êtes pas obligé de lui faire à manger. Vous pouvez prendre des croquettes, des boîtes. Mmh. Et puis, c'est changer sa litière. Puis, le brosser de temps en temps et jouer avec lui. Et puis, beaucoup lui parler, voyez. Donc même les personnes, c'est vraiment beaucoup moins de corvée, on va dire, que d'avoir un chien, et c'est beaucoup plus facile pour une personne âgée. Alors justement, Laetitia, quelles sont les races de chats les plus faciles à vivre et les plus affectueuses? Alors moi, je parlerai pas de chats plus faciles à vivre ou plus affectueux. D'abord, je dirais qu'il y a certaines races qu'il faut éviter. Par exemple, les races géantes. Oui. Tout simplement parce qu'elles sont lourdes et si vous avez par exemple un Maine Coon qui fait 10 kilos, oui, qu'il faut le porter pour l'amener chez le vétérinaire, c'est pas adapté. Même le chartreux 8 kilos, c'est pas adapté. Alors chartreux, vraiment, vous en avez avec à 4 kilos. Hein. Attendez, 8 kilos, c'est le chartreux obèse. Oui. Voilà. Alors, et puis, il faut éviter les chats trop actifs. Par exemple, les bengales. Mmh. Alors là, on est dans le chat hyperactif. Mais voilà, les chats qui sont vraiment trop actifs. Il faut mieux des chats un peu pépères et éviter les chatons. Parce que le chaton, ça a besoin, c'est toujours en mouvement, ça a besoin d'éducation, ça a besoin de jouer. C'est beaucoup, beaucoup de responsabilités. Mmh. Alors que dans les refuges, les SPA, on a beaucoup de chats adultes qui ont déjà vécu avec des personnes seuls, voire des personnes âgées, et qui n'attendent qu'une chose, d'être adoptées. Donc prenez plutôt ces chats-là. Prenez des chats qui ont déjà vécu, comme vous, votre vie, voire dans un appartement ou si vous avez une maison qui peuvent sortir, mais qui ont déjà vécu avec une personne seule. Parce que ces chats-là, tout de suite, ils se feront à votre vie. Il faut en plus de ça rappeler quand même qu'il y a 1949 chats affectueux et chatons qui vous attendent à la SPA. Encore plus dans les autres refuges. Donc n'hésitez pas. Merci Laetitia. Alors Catherine, je ne sais pas comment se sont passées les fêtes pour vous, mais alors pour moi, il est temps d'envisager de trouver une solution miracle pour retrouver une ligne plus svelte et surtout un ventre plus plat. Bon, alors les fêtes, c'est le bon prétexte. C'est vrai que ça peut effectivement jouer un rôle négatif sur la silhouette, sur l'aspect de l'abdomen, mais il n'y a pas que les fêtes, souvent dans le courant de l'année, n'est-ce pas? Oui, merci. Il arrive, on se sent ballonné, gonflé, on constate un petit amas graisseux qui survient de ci, de là. C'est souvent dû à une alimentation trop riche, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et pour ceux qui sont gourmands, alors effectivement, ça n'arrange rien les fêtes, n'est-ce pas Ariane Goldet? Bonjour à tous. Bonjour bonne année. Ariane, bonne année. Bonne année. Alors qu'est-ce qu'on bonne fait année. Qu'est-ce qu'il fait David avec son petit bidou là? Non, mais c'est normal. Je vais vous dire, après les fêtes, plus que le gras, c'est qu'on est ballonné. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut adopter en urgence une alimentation anti-gonflette. Donc, vous évitez, mon cher David, vous évitez la consommation d'aliments riches en sucre, en gras saturé, ainsi que les aliments transformés et riches en sel. Parce que c'est ça qui entraîne une rétention d'eau et donc des ballonnements. Vous mangez des aliments riches en fibres, comme les fruits, les légumes, les céréales complètes. Vous consommez des probiotiques, là vous les trouvez, on l'a dit plusieurs fois, dans le yaourt, les choucroutes en particulier. Vous buvez beaucoup d'eau parce que ça accélère le transit. Tout au long de la journée, vous buvez, mais surtout pas des boissons gazeuses, bien entendu. Et puis, vous mangez lentement en prenant le temps de savourer. Et surtout, vous consommez des aliments qui sont vraiment anti-gonflettes, comme vous avez l'anaïs vert, le fenouil, l'aneth, la coriandre et le cumin, sans oublier des tisanes ou des infusions même, à base de menthe poivrée, c'est excellent, ou de camomille. D'accord. Voilà. J'ai retenu le mot choucroute, moi. Alors, à chaque fois, vous retenez la choucroute. Oui, j'ai retenu la choucroute. Hein, je suis très alsacien sur le plan de la choucroute. Il y a aussi le sport, Ariane, qui joue dans l'équation. Est-ce qu'on peut faire des petits exercices faciles à la maison pour perdre ce ventre? Alors, vous pratiquez une activité physique régulière, ça, comme la marche, ça fait toujours du bien. Mais surtout, je vais vous donner un petit exercice. Vous vous allongez sur le dos. Vous gardez la tête bien alignée avec la colonne vertébrale. Vous pliez vos genoux sur votre ventre. Oui. Vous faites une grande inspiration et vous les attrapez vos genoux avec vos mains et vous exercez une pression de manière en expirant, en les maintenant fortement contre votre poitrine. Vous voyez, comme ça, faites sortir l'air qui est resté et les gaz qui sont dans le ventre. Vous faites ça une dizaine de fois et ça ira beaucoup mieux. Tous les jours. Avant ou après la choucroute? Je vous conseille, alors, pour tout ce qui... Non, mais il est irrattrapable, Ariane, il est irrattrapable. C'est 2 heures après la choucroute, parce que c'est au moment de la digestion qu'on a des gaz, des ballonnements. Très bien.
Alors, on va être un peu plus... sur le plan cosmétique, Ariane, est-ce qu'il y a des crèmes, des petits massages aussi qui peuvent nous aider un petit peu? Oui, vous pouvez toujours vous masser doucement le ventre. Alors, après, vous pouvez prendre une crème cosmétique anti-gras, c'est-à-dire à base de caféine. Oui. C'est surtout ça qui marche. Alors, vous effectuez des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, de plus en plus grand, avec la paume de la main, avec une pression pas trop forte, légère cette fois-ci. Vous faites ça pendant une dizaine de minutes. Et vous, comme ça, vous reproduisez le sens du transit intestinal. Vous évacuez les gaz bloqués et vous soulagez les ballonnements. Et tout ça se fait au moins, comme je l'ai déjà dit, 2 heures après le repas, au moment de la digestion. Alors Ariane, il y a aussi un autre fait, on va répondre rapidement. Si on est anxieux de nature, et on sait que le stress fait gonfler, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, vous respirez profondément dès que vous ressentez du stress ou vous faites un petit peu de méditation ou de yoga. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Ariane Goldet, d'avoir été avec nous. Voilà. Merci, Ariane. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, Ariane. Et maintenant, David, il est temps que vous nous fassiez découvrir ce coup de cœur que je trouve très, très, très malin. Ah ben écoutez, alors c'est même plus qu'un coup de cœur parce que je commence l'année 2024 par un coup de foot pour un petit appareil qui s'appelle le Money Walkie. Alors le Money Walkie, c'est un petit boîtier de la taille d'un domino qui est recouvert d'une coque en silicone pour ne pas l'abîmer et qui peut prendre des formes totalement variées. Il va permettre aux grands-parents ou aux enfants de pouvoir payer toutes leurs courses et leurs dépenses en boutique. Alors ce boîtier contient une puce NFC Mastercard qui permet de payer sans contact, exactement comme on le ferait avec un smartphone ou une montre connectée. Sauf que, en fait, cet appareil est plus pratique qu'une carte de crédit et à partir d'un certain âge, il va permettre en fait aux enfants de surveiller les dépenses de leurs aînés ou de leurs enfants depuis leur smartphone et d'approvisionner ce compte chaque semaine sans craindre le moindre piratage ou vol de carte bleue. Alors, le boîtier est d'une solidité à toute épreuve, il ne craint pas les chocs, ni l'eau, et il ne nécessite aucune source d'énergie. C'est vraiment l'appareil miracle. Donc, le Money Walkie, il nécessite un abonnement mensuel de 1,90€. On peut le recharger jusqu'à 150€ de crédit quand on veut chaque semaine. Et vous trouvez cet appareil absolument génial dans plein de boutiques comme la Fnac, Darty ou Boulanger et sur le site Money Walkie, donc IE à la fin pour Walkie, moneywalkie.com. C'est vraiment un appareil génial pour les seniors. Bon, c'est super. Voilà, oui, et les enfants. Même pour les, jeunes ados qui apprennent à un petit peu gérer leur argent. Eh bien, nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, nous vous emmènerons découvrir des paysages éblouissants et danser le merengue ou la bachata en République dominicaine. Évidemment. Voilà, et Pierre Perret, l'homme aux 500 chansons et le dernier poète espiègle de la chanson française, sera avec nous. Allez, restez avec nous, c'est important. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Il n'y a pas d'âge comme chaque dimanche jusqu'à 13h sur Sud Radio. Alors avant de retrouver notre invité de la semaine, le fameux Pierre Perret, le dernier poète espiègle de la chanson française, Pierrot pour les intimes, où est-ce que vous nous emmenez en voyage, Catherine? Eh bien, je vous emmène en République dominicaine, mon cher David. Un petit écrin ensoleillé au cœur de l'hiver. En plus, les températures vont baisser, ça tombe très bien. Bonjour Cassandra Trapani. Bonjour. Bonjour. Alors Cassandra, vous êtes la spécialiste de la République dominicaine pour Havas Voyage. Cassandra, pour vous, la République dominicaine, c'est un peu la destination vacances dans toute sa splendeur, avec ses paysages idylliques. Racontez-nous ce qui vous attire tout particulièrement là-bas. Oui, la République dominicaine, c'est longues plages de sable blanc bordées de cocotiers, avec d'un côté les eaux turquoises de la mer des Caraïbes, d'un autre côté des énormes vagues de l'océan Atlantique. Mais c'est aussi des parcs nationaux avec une végétation luxuriante, les Dominicains qui sont chaleureux avec une joie de vivre débordante. Et c'est toutes ces variétés de paysages, de cultures et ce mélange de traditions qui ont fait de la République dominicaine ma destination coup de cœur, vraiment. Alors justement, Cassandra, il y a aussi un avantage, c'est qu'il fait, en ce moment, il fait beau et chaud, mais est-ce que toute l'année, le climat est agréable ?
Oui, en ce moment, c'est la meilleure période pour se rendre à destination. La République dominicaine se visite toute l'année. Il y a une saison humide sur l'automne où on a des ouragans et quelques pluies, mais le soleil reste omniprésent sur l'île à tout moment de l'année. Alors, est-ce qu'il y a des petits coins que vous aimez, vous, tout particulièrement, si on part, par exemple, une semaine? Qu'est-ce que vous avez vécu, vous, comme expérience? Qu'est-ce que vous avez vu comme endroit que vous considérez incontournable ou comme activité que vous avez pu expérimenter? Alors, j'ai pu participer à une croisière d'observation de baleines. Sur la baie de Samana. Mmh. C'est vraiment un spectacle unique où on peut observer ces géants des mers sauter dans l'eau avec leur puissant souffle qui projetait de l'eau à plusieurs mètres. On les observait vraiment à quelques mètres et c'est vraiment une expérience, un souvenir que je garde à vie. Alors, redonnez-nous le nom. C'est la baie de Samana. La baie de Samana. Alors, l'autre avantage de la République dominicaine, c'est que c'est une destination qui convient vraiment à tout le monde, qu'on soit en famille ou qu'on soit seul, et, voilà, ou en couple. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité selon notre configuration familiale? Alors, vous pouvez très bien rester à l'hôtel, vous détendre sur la plage et profiter des animations proposées par, par les hôtels. Mais pour ceux qui veulent vivre des moments intenses, vous pouvez vous initier à la danse traditionnelle, la bachata, mmh. le merengue. Vous pouvez partir nager avec les dauphins, partir sur une randonnée à cheval. Vous pouvez aussi découvrir l'histoire du passé colonial de l'île, hein, qui, oui. Qui est très chargée. Il y a tout un tas d'activités, il y en a pour tous les goûts. Il faut venir pour pouvoir en profiter. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Cassandra Trapani, de nous avoir emmenés en République dominicaine, une destination pleine de charme où il fait beau toute l'année. Et qui est accessible à tout le monde, en fait, hein, Cassandra. Exactement, en prix. Ça. En oui. prix. Absolument. Merci Cassandra. Merci Cassandra. Et maintenant, David, comme tous les dimanches sur Sud Radio, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité. Et cela fait 66 ans qu'il nous régale avec ses chansons engagées, poétiques, populaires. Si je vous dis Paris saccagé et vous saurez tout sur le zizi, je parle de... Pierre Perret. Bonjour Pierre Perret. Alors Pierre, on est très heureux de commencer l'année 2024 en famille, en votre compagnie. Vous êtes actuellement chez vous en Irlande. Est-ce que la pêche au saumon est bonne cette année? Et surtout, est-ce qu'il reste encore des saumons dans les lacs et rivières du Connemara après votre passage? Bon, ben on voit qu'il reste encore des néophytes en pêche parce que la pêche est fermée, là, mon cher ami. Non. Oui, les saumons, ils ne sont pas arrivés. Il ne s'est pas renseigné. Ah, mais je ne me suis pas renseigné. Ils ne sont pas arrivés, mais quelle horreur. Donc, vous ne me ramènerez pas de saumon fumé cette année? Je n'ai pas dit ça. si ça démarre dans 3 mois, on a le temps de se rattraper après. Bon. Alors Pierre, vous êtes en pleine écriture de nouvelles chansons. Quels sont les thèmes qui vous inspirent là en ce moment? Oh là là, il y en a trop. Il y en a tellement. Oui, c'est pas les thèmes qui sont les plus faciles à trouver. C'est l'écriture, c'est tout. Ça prend beaucoup de temps, mais il y a tellement de choses. On n'a qu'à faire un pas devant l'autre et il y a mille choses qui me font éclater de rire ou qui m'énervent. Et souvent en même temps. Dans ce sens-là, il y a une phrase que j'adore chez vous, c'est « la mère des cons est toujours enceinte ». Alors, Pierre, est-ce qu'il n'y a vraiment aucun espoir qu'elle arrête de pondre? Et malheureusement, je pense qu'elle est toujours féconde. Et effectivement, vous connaissez vos classiques, jeune homme. Mais oui, j'étais à bonne école. C'est bien de ne pas les avoir oubliés, parce qu'en fonction des décennies, il n'y a pas grand-chose qui change sous le soleil, et malheureusement, de ce côté-là. Alors, vous avez voyagé sur tous les continents, connu beaucoup de consécrations. Est-ce qu'il y a un rêve que vous n'avez pas encore réalisé, que nous pourrions vous souhaiter pour cette nouvelle année? Je pousserai pas l'utopie jusque-là parce que je sais que c'est à mon âge. On a commencé à comprendre qu'il y a des choses irréalisables. Mais il faut essayer de tempérer au maximum. Oui. Et oui, il faut essayer de tempérer un peu. Mais si jamais un jour
le rêve d'un peu plus d'équilibre entre les hommes et les femmes pouvait arriver à se réaliser un peu, ça ne serait pas plus mal non plus, parce que les femmes ont souvent beaucoup de mal à se faire entendre, et parfois elles se font entendre un peu trop bruyamment et maladroitement, et ça dessert leur cause, je trouve. Et je trouve ça un peu dommage pour elles, surtout, parce que c'est un plein tournant où elles sont en plein progrès, et ça serait dommage de déstabiliser cet équilibre un peu qu'elles ont acquis et par les outrances parfois dont elles font preuve, je trouve que c'est pas, ça leur rend pas service, voilà. Alors justement, Pierre, vous avez très souvent interpellé la société avec vos chansons au point de donner des sueurs froides à certains politiciens ou même à Yvonne de Gaulle qui en 66 s'était démené pour qu'on ne diffuse pas les jolies colonies de vacances. Je pense pas lui avoir donné des sueurs froides. Oh, quelques-unes. Roland Dordain sur France Inter a reçu des bons coups de fil. Et José Arthur aussi. C'est juste. Alors, Pierre, est-ce qu'il y a néanmoins un thème qui vous interpelle et sur lequel vous avez jamais voulu ou jamais pu écrire une chanson ? Non, je ne me suis rien interdit jusqu'à présent. Et s'il y a des thèmes que je n'ai pas abordés, ce n'est pas par frilosité, c'est peut-être parce que je ne me suis pas senti en mesure d'attaquer ça pour le moment. Mais non, il n'y a pas grand-chose qui m'a fait reculer. Ça a l'air un peu prétentieux de dire ça, mais non, si vraiment un truc me défrise, je l'attaque. Il y a une chanson qui fera partie du prochain album, tiens, je vous donne un scoop, j'ai réussi. C'était un thème qui m'est très cher et qui m'est très douloureux à imaginer dans son contraire, comme on est en train de vouloir un peu l'annihiler aujourd'hui. C'est notre éducation. Je trouve qu'une des choses les plus importantes, la base de tout, c'est l'éducation. Ce qui est le plus menacé, c'est notre laïcité. Et j'ai une chanson que je viens de terminer là maintenant, qui fera partie du prochain album qui sortira dans un an ou quand je serai plus là, j'en sais rien, peu importe. Mais le tout, c'est qu'elle soit faite. Ça s'appelle la laïcité, voilà. Alors justement, ça s'appelle la rue de la laïcité. La rue de la laïcité. Alors justement, avec David, on se disait, c'est la première fois en 66 ans de carrière que vous n'avez pas de date de concert annoncée. Qu'est-ce que vous nous préparez en fait pour 2024 ? Ah ben, il m'en reste un encore à faire dans cette tournée-là. La semaine prochaine, je partirai à Pamiers. Non, non, mais après, Pierre, après. Oui. Après ça. Ben après, alors, bon, je suis tiraillé de partout parce que malheureusement, on a refusé du monde partout. C'était l'apothéose s'est déroulée en Belgique ou alors on a refusé du monde au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, oui, au Forum de Liège. Enfin, c'était la folie. Et bon, il y a plein qui remontent à l'assaut un peu pour me dire ah, « tu peux pas arrêter là, tu peux pas arrêter là ben, ». Alors, moi, je sens que je peux arrêter n'importe quand. La première des choses que j'arrêterai pas, du moins dans l'immédiat, tant que j'ai le citron qui fonctionne et les tubulures qui sont pas trop encrassées, c'est l'écriture, ça c'est sûr. Mais le reste, bon, ben, je sais pas… Il faut peut-être que je laisse reposer un peu ma femme qui en a marre de me voir partir en tournée et qui est... Voilà, lui consacrer un petit peu de temps. Se reposer elle aussi. Ben oui. Écoutez, prévenez-nous quand vous êtes sur scène, qu'on vienne vous voir. Ben bon, oui.
dès que je décide de remettre le couvert, je te jure, vous serez les premiers prévenus. Bon, ben, c'est adorable. Ben, merci, Pierre. Merci beaucoup, Pierre. Bonne année. Vous embrassez Rebecca de notre part aussi, puisque votre femme qui est toujours à vos côtés. Et puis surtout, j'espère qu'on se verra bientôt. Eh bien, voilà, on va se voir bientôt. Et surtout, bon, voilà, si vous avez un saumon fumé qui traîne, quand vous rentrez en France, après la période de la pêche à la mouche et après la saison d'écriture irlandaise, on est là. Chiche. Merci Pierre. À bientôt. À bientôt Pierre. Eh bien voilà David, c'est la fin. On est triste de vous quitter. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous souhaitons de passer un excellent week-end à l'écoute de Sud Radio. Et on se retrouve dimanche prochain à 7h49 dans la matinale de l'excellent Jean-Marie Bordry. Et puis on se retrouve dans Y'a pas d'âge à partir de midi. Bonne semaine à tous. Excellente semaine. Sud Radio, Y'a pas d'âge. Avec Cochenou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochenou, un petit bout de chez nous.